Ce monstre infect, il regarde la mort comme un homme. Et je suis pas un homme, mais bien un dragon. Je chauve qui brûle. Bouge pas, Léo, j'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Et d'ailleurs, qui êtes-vous donc? Et pourquoi cet acharnement à vouloir blesser nos amis? Je me présente, écuyer Alonso. Et voici mon fidèle compagnon, Ponza. Rassurez-vous, je ne voulais pas blesser votre dragon. Mon intention était de le tuer, pour faire une bonne action. Parce que vous trouvez que c'est une bonne action, non, mais quel culot! Tout le monde sait que les dragons sont démoniaques. C'est archi faux. Léo est un amour de dragon. Dans quoi mon maître s'est-il encore fourré? Oh là là là. Mais j'ai lu des horreurs à propos des dragons. Ils attrapent des princesses et les jettent dans des donjons. Je remets que tout cela. Léo est mon ami. Oh, j'ignorais Léo. Pardonne-moi, tu veux bien, je dois accomplir une bonne action pour être sacré chevalier. Mais à chaque fois que j'essaie, tout tourne de travers. Je voudrais être un chevalier, fier et droit sur son destrier. Mais jamais rien ne veut marcher. Ce que j'essaie de faire va tout de travers. J'ai combattu une grande sorcière. J'aurais gagné sans un petit ennui. Elle m'a touché et j'ai éternué. J'ai tout essayé, mais rien ne veut marcher. Un jour, j'ai voulu chasser les rats d'une ville. Oh, la tuile, ce sont les chats qui ont disparu. Les damoiselles m'appellent au secours. Je saute sur mon cheval et j'accours. Mais je n'apporte que la pagaille. Je n'y arriverai jamais. Oui, je sais que je déraille. Mais je veux être un chevalier. Nous devrions essayer d'aider ce garçon. Il en a besoin. En tout cas, j'ai l'impression que nous pourrions te mettre sur une bonne voie. Ah oui, tu crois? Vers quelle catastrophe va-t-on aller? Si tu veux bien accepter notre aide, tu réussiras, j'en suis sûre. Alors vous êtes tous prêts à l'aider? Vous voulez bien? Oui, aidons-le. Ah, je veux bien. Oui, bonne idée. Ah, qui a eu cette idée saugrenue? Cela fait maintenant des heures et des heures que nous marchons. Léo, arrête de râler. Nous avons promis de l'aider. Tu ne vas pas changer d'avis. Je marche en ongles, tous les dragons incompris. Oh, Mégane, écoute! Oh, regarde! Un château? Pourquoi les murs sont-ils remplis de ronces? Si vous voulez mon avis, pour éloigner les curieux. Cette voix? Oh, quel joli timbre! Je suis sûr que c'est celle d'une princesse. Peut-être est-elle tenue prisonnière, ou pire encore. Nous devons la délivrer, sur le champ! Oui, mais ce mur de ronces est si épais! C'est peut-être une solution, ma corne magique! Superbe! Passons à l'attaque. Regardez, nous avons traversé le mur. Bon travail, Alonso. Ouh, y a quelqu'un ici? Je suis l'écuyer Alonso. Je viens vous délivrer. Venez.
venez vite, j'ai trouvé une porte. Entrons. Mais c'est Messire Huguenot, le chevalier le plus courageux de tous les temps, et sa dame, la princesse Hélène, et Emilida, la fée, sa marraine. Où se trouve la prisonnière? Personne n'est retenu prisonnier dans ce château. Qui êtes-vous? Et qui vous a permis de venir au mariage de ma filleule Hélène et de son futur mari? Oh, alors c'est un mariage? Oh non! Nous avons cru que ces murs pleins de ronces cachaient une malheureuse princesse. Ce n'est qu'un mur de protection destiné à décourager tous les importuns. Notre héros que ma filleule va épouser a toujours eu le don d'attirer à lui les pires vauriens. Mais c'est bien fini, ma chère Emilita. Je prends ma retraite. Vous voulez dire que vous allez abandonner votre charge? Elle est réservée à des mains plus jeunes. Aussi ai-je demandé à Mofa, le magicien de la cour, de me trouver un remplaçant pour servir le roi. Un remplaçant? Que ne ferais-je pour cet honneur un remplaçant? Oh. Bien, écoute, Alonso, peut-être serait-il temps de partir. Oui, on ne vous retient pas. Musique, joue! Nous sommes désolés de vous avoir dérangé. Bonsoir! Mon Dieu, que j'avais l'air emprunté face à ce magicien. Voyons, garde espoir, Alonso. Nous finirons bien par te faire faire une bonne action. Bien sûr, dans 18 ans, ou le jour où je ne pourrai plus soulever mon épée. Je propose un retour à la maison paradis. Nous avons besoin de repos. Tu as raison. Retournons chez vous. Vous avez bien mérité de vous reposer. Je crois que je dois abandonner l'espoir d'être un jour chevalier. Hé, vous ne pouvez pas faire attention. Oh, pardon. À l'envers, c'est déjà une position inconfortable. Mais si en plus vous voulez m'assommer, eh bien... tirez-moi de cette position inconfortable. Oh oui, attendez, je vous aide. Merci. Encore un peu, allez-y, du muscle. Ben, vous flanchez ou quoi? Mais vous n'êtes pas léger. Comment? Je pèse le poids d'une plume, mon cher. Alonso, tu sais, ne crois surtout pas qu'on a abandonné. Alonso, allez, fais pas la tête. Ils ont tous été gentils avec toi. Ce n'est pas parce que tu as raté que tu... Oh, Alonso a disparu. Il faut partir à sa recherche. S'il n'est pas là, c'est qu'il a des ennuis. Allons-y. Oh. Et voilà. Même la plus petite chose, je suis incapable de la réaliser. Bien, je suis coincé et la seule personne qui peut m'aider est en train de baisser les bras. L'horreur, quoi. Je ne baisse jamais les bras. Je cherche seulement le moyen de vous retourner. Oh, mais j'ai une idée. Vous allez voir ce que vous allez voir. Que comptez-vous faire? La dernière fois que nous l'avons vu, c'était ici. Oh, mais que vais-je devenir sans lui? C'est un garçon si gentil. Un, deux... trois. Félicitations, Alonso. Vous venez de passer le test de la torture renversée. Ah oui? C'est vrai? Mais oui. Je cherchais justement un remplaçant pour Messire Huguenot et j'ai décidé, jeune homme, de te tester. À présent, je sais que je viens de faire un très bon choix. Tu as réussi. Je te choisis. Moi? Oui, toi, mon garçon. Peu de gens ont assez de courage pour affronter ce genre de situation. Tu l'as fait. J'ai besoin d'un chevalier courageux auprès de moi, au cœur sincère, prêt à se battre pour des idées nobles. C'est le garçon idéal. Alonso, si tu le veux, tu peux partir avec moi. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Grâce à votre présence, j'ai retrouvé une confiance que j'avais perdue. Alonso, elle était intacte au fond de toi. Au revoir. À l'avenir, souviens-toi. Gentil avec les dragons. Jurez, Léo, et je vous garde dans ma mémoire pour toujours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dans le fond, en dépit de sa tendance à chasser les dragons, ça n'est pas un mauvais bougre. Léo, tu l'as échappé belle, en tout cas, au petit.
petit pas.